Emmanuel de l'église de Melun. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà vu vous rendre ministère là-bas à Rumilly et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Certainement les nouvelles personnes à Rumilly. Donc, je suis très content de m'adresser à vous aujourd'hui et je veux honorer votre pasteur Alain Cabessa et la sœur Pauline qui m'ont fait confiance et me donne l'opportunité de vous apporter cette courte exhortation concernant la prière. Et pour moi, c'est un très grand privilège de vous servir une fois de plus aujourd'hui. Donc, le thème de la pensée, comme je viens de le dire, qui m'a été demandé de préparer par votre pasteur, la puissance de la prière dans la soumission. Et ça, c'est un thème que j'affectionne beaucoup, la prière. Et ma vie est remplie de témoignages en ce qui concerne la puissance de la prière. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 1995, j'ai expérimenté beaucoup de choses par rapport à la prière. Et j'aimerais, n'est-ce pas, vous partager cette pensée. Je ne sais pas comment va se présenter, n'est-ce pas, cette prédication ou exhortation ou témoignage. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit pour que vous puissiez, n'est-ce pas, saisir quelque chose, la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et avant cela, j'aimerais un peu prier. Que le Seigneur me conduise par son esprit. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Père Saint, je veux te rendre grâce pour le privilège que tu m'accordes d'apporter, Seigneur, cette exhortation à l'église de Rumilly aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus, ô Dieu de grâce, de me donner cette opportunité et ce privilège, Seigneur, de servir mes frères et mes sœurs. Seigneur, conduis-moi, inspire-moi
par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la prière dans la soumission. Donc, avant de vous parler, n'est-ce pas, de ce thème, je veux déjà définir simplement c'est quoi la prière puissante. La prière puissante, c'est tout simplement une prière écoutée et exaucée par Dieu. Toute prière qui est écoutée et exaucée par Dieu est une prière puissante. Oui, parce que si nous élevons des prières à Dieu de toute notre force, avec toute notre énergie, si ces prières ne sont pas écoutées et ne sont pas exaucées, elles ne sont pas puissantes. Donc voilà pourquoi nous allons voir, n'est-ce pas, les aspects d'une prière puissante dans la soumission. Et il faut savoir une chose, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, Dieu peut nous exaucer immédiatement, Dieu peut nous exaucer à court terme, Dieu peut nous exaucer à moyen ou à long terme selon son bon vouloir, parce qu'il est souverain. Et maintenant nous avons le terme, la soumission. C'est quoi la soumission? La soumission tout simplement c'est obéir à Dieu et obéir à Dieu et observer et mettre en pratique ses commandements. Comme nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, comme on vient de le définir, la puissance de la prière, de la soumission, c'est une prière écoutée et exaucée par Dieu. Amen. Donc, nous allons donc voir quelques principes, n'est-ce pas, au sujet d'une prière puissante dans la soumission. Et nous allons avoir pour texte de base Galates au chapitre 2, verset 20. Donc, voilà le texte que nous allons lire, n'est-ce pas, pour comme la base de la pensée que je vais vous apporter en ce moment. Et je vais lire Galates, chapitre 2, verset 20. La Bible déclare, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, le premier principe, n'est-ce pas, d'une prière puissante par rapport à notre lecture, c'est laisser Jésus-Christ vivre en vous. Laisser Jésus-Christ vivre en vous. Oui, alors nous avons dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible nous dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Jésus-Christ habite en vous par son esprit. Amen. Jésus-Christ habite en chacun de vous par son esprit. Voilà pourquoi le premier principe, n'est-ce pas, c'est de laisser Jésus-Christ vivre en vous. Tous les jours, vous devez entretenir la présence de Dieu. Alors, le deuxième principe que nous allons voir pour la puissance de la prière dans la soumission, le deuxième principe, c'est soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu consiste à observer ses commandements et les mettre en pratique. Dans Luc, au chapitre 2, verset 51, Jésus était soumis à ses parents. Joseph et Marie, selon le cinquième commandement d'Exode 20, il est dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Jésus, notre modèle, nous donne l'exemple de soumission jusqu'à la mort sur la croix. Passant par Gethsémané, il a prié, mon père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus recherchait toujours la volonté du Père. Voilà la soumission. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. Vous devez toujours rechercher la volonté de Dieu dans vos vies. Voilà la soumission. Jésus ne voulait pas faire ce qu'il voulait, mais il voulait que la volonté de Dieu soit faite. Quoique il était en train de traverser cette épreuve difficile et cette coupe qui était tellement pénible pour lui. S'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De la même façon, nous aussi, nous devons être soumis à Dieu, soumis à notre Père. Recherchez toujours sa volonté. Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit Jacques au chapitre 4, verset 7. Jacques employait ce mot pour décrire une soumission volontaire. Nous nous soumettons à Dieu volontairement et cette soumission est délibérée à l'autorité de Dieu. Un chrétien réellement humble est soumis à Dieu. L'humilité du chrétien, c'est de se soumettre à Dieu. Il obéira à ses commandements et suivra ses directives. Ça, c'est la soumission. Par conséquent, vous devez lire et méditer la parole de Dieu pour connaître quelle est sa volonté. Il nous sera difficile de connaître la volonté de Dieu si nous ignorons ce que dit la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. La base de notre soumission à Dieu est de connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi David a dit dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et il a continué à dire au verset 11 en disant, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc la soumission consiste à avoir foi en Dieu. Et en hébreu, la foi, c'est obéir et faire confiance à Dieu. Obéir et faire confiance à Dieu. Selon, n'est-ce pas, la version hébraïque. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, dans Romains 10, au verset 17. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est un principe très important, n'est-ce pas, pour la puissance de la prière dans la soumission. Nous devons connaître les promesses de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu a promis à ses enfants. Nous devons connaître, n'est-ce pas, les prérogatives que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Et pour les connaître, nous avons besoin, n'est-ce pas, de méditer la parole de Dieu. Comme disait Josué 1:8, Josué 2:8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Nous devons méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La soumission à Dieu consiste à prier selon sa volonté, c'est-à-dire sa parole. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Et maintenant, je vais vous parler de la soumission dans les foyers. Aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. Et pour moi, c'est un privilège inouï que Dieu a accordé à son Église afin que nous puissions nous reconsacrer à lui. Dans le cadre familial, les maris avec leurs femmes, le père, la mère et avec leurs enfants. C'est, n'est-ce pas, un moment primordial
que Dieu accorde à l'Église aujourd'hui. Que nous puissions nous attacher à lui. Voyez-vous? Le Seigneur viendra chercher une église, non de bâtiment, mais une église, n'est-ce pas? L'ensemble de tous ses enfants qui sont attachés à lui. Yeah.